Athanasio, Romain, 39 ans, première participation. Profession, navigateur. Je peux pas dire que c'est l'aboutissement d'une vie, mais bon, faire le Vendée Globe, pour moi, c'est un passage important. Je rêvais de le faire petit. Après, je me suis rendu compte que bon, c'était pas si simple et tout le monde ne le fera pas. Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que je suis au départ. Je crois qu'il y a 83 personnes qui ont fait le Vendée Globe et beaucoup plus qui sont allés dans l'espace. Et ouais, c'est un truc pas inaccessible, mais presque. J'ai pas peur avant de partir, oui et non. On a tous de l'appréhension, on part tous... ouais, c'est difficile, hein, c'est long, c'est différent des autres courses. On le voit le matin du départ au Vendée Globe, sur les pontons, je trouve que les skippers, enfin moi j'ai remarqué ça dans les éditions précédentes, ils ont pas la même tête. Ils sont différents, ils sont peut-être déjà partis, sûrement très inquiets, donc ça on le ressent beaucoup, on voit que l'ambiance le matin du départ est très lourde, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on revient comme on est parti? Je sais pas, justement, je vous dirai ça en retour. J'imagine que faire un tour du monde en solitaire, on en revient différent, j'imagine.